me gêne à rester là, j'ai besoin de me concentrer. Mais ça m'intéresse. La seule chose qui puisse t'intéresser, c'est de manger. Non, je veux voir comment ça marche. Oh, laisse ça, cette expérience demande un travail de précision, alors reste pas à côté de moi. D'accord, quand j'ai lu, je m'en vais. Et surtout, ne tape pas la... De tous les gosses du quartier, voilà le plus insupportable. Oui, c'est celui qui nous fait déballer les jouets qui sont dans tous les rayons et qui n'achète même pas un crayon de couleur. Oh oui, monsieur, c'est celui-là. Je vais m'en occuper. Hein? Bonjour. Oh, c'est chouette. Hé, hey, Noé. Oh non, après tout, il ne plaît pas. Et moi, je voudrais voir si tu as de l'argent dans ta poche avant de nous déranger pour te montrer quelque chose. J'en ai pas aujourd'hui, mais j'en aurai sûrement. Alors, reviens demain ou après-demain et nous nous ferons un grand plaisir de te montrer tous nos articles et de servir un client aussi fidèle et aussi gentil que... Ah, j'ai jamais entendu parler d'une chose aussi idiote. Ce n'est pas le scepticisme qui a emmené les Américains sur la Lune. Non, c'est une fusée, je le sais. L'invisiblesse. L'invisibilité. Mais c'est bien ce que j'ai dit. Bonjour. C'est encore toi. Je voudrais un de ceux-là. Et puis de ceux-là. Mmh. Et puis... Et tu m'as dit que tu voulais un de ceux-ci. Oui, monsieur. Et un de ceux-ci. Oh, oui. Et est-ce que tu aimerais... un de ceux-là. Oh oui. La dernière spécialité. Ouais, j'en veux bien aussi. Et où est ton argent, l'as-tu apporté? Je vous paierai demain, sans faute. File dehors. J'espère que tu ne recommences pas à faire du chewing-gum synthétique. Non, parce que la dernière fois, ça m'a pris 3 jours entiers pour nettoyer la table et les bols. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait de la compote de pomme rance. Ce n'est pas encore fini. Et qu'est-ce que tu comptes faire de cette confiture? Pas de la maison avec? Il dit que c'est un truc pour rendre invisible. Invisible? Comme tu n'as pas l'air de me prendre au sérieux, tu seras pas la première à l'essayer. Ce sera bien fait pour toi. On va aller chercher les autres. Voilà. Thank you.
prof. T'es là? Ouh, oh! Ah non, c'est moi, Glouton. Glouton. Je suis juste rentrée pour faire un petit peu de ménage. Ménage? J'ai presque fini. Oh, il y avait plein de poussière. Et puis, j'aime bien me rendre utile. Là, voilà. C'est quand même plus propre. Oh, mais où es-tu? Comment ça, où je suis? Ben, je suis là. Qu'est-ce que t'as, Solo? Tu te sens pas bien? Allez, assieds-toi. Voilà un bon coussin. Allez, assieds-toi. Je dois sûrement dormir. Je rêve, je vais me pincer. Ah! Oh, mais non, je ne rêve pas! C'est bizarre. Pourquoi il est parti comme ça? Il devra aller voir un docteur. Oh ben ça alors! C'est moi qui vais plus du tout. Je peux même plus me voir dans une glace. C'est ce truc, la confiture que j'ai mangée, elle avait un drôle de goût. Ça c'est encore une invention de prof. Oh ben vrai, mais je suis invisible. Personne ne peut me voir. Et moi, je peux voir tout le monde. Je suis invisible, yahoo! Qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme blague? Et personne ne me verra. Oh, ça, c'est drôlement marrant. Ils se sont animés tous ensemble et ils s'en sont pris à moi. C'est ridicule ce que vous me racontez là, vous n'êtes pas dans votre état normal. Je vous prie de sortir tout de suite, c'est un ordre. Je ne veux pas sortir, je ne sortirai pas. En voilà, c'est vous vous conduisez comme un gamin. Pour la dernière fois, je vous ordonne de sortir. Je ne vais pas. Parce que vous êtes devenu fou, voyons, allez, sortez, vous m'entendez, sortez. Allez, allez, quand même, tirez-vous les cheveux, venez, bon, allez. Bon, mais c'est un psychiatre qu'il faut aller voir, espèce de culte. Ok, mais voulez-vous sortir de là? Non, mais vous, sérieux. Non, non, ne tirez pas, je vous en supplie. Non, au secours. Oh, 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 oh. Thank you.
manger, vous vous rendez compte? Eh ben comme ça, moi, c'est que l'expérience a réussi. Ça c'est rien. Quand j'ai vu que je le voyais plus, j'ai eu une de ses frousses. Dites donc, vaudrait peut-être mieux qu'on le retrouve avant qu'il fasse trop de bêtises. Ça ne devrait pas être difficile. Prof et moi, on va aller voir chez le pâtissier et vous autres chez le marchand de jouets. D'accord, allons-y. Mais qu'est-ce que je fais, moi? Toi, tu vas rester ici. Et si Glouton revient, quoi qu'il arrive, tu le laisses pas ressortir, d'accord? D'accord. Il est sûrement passé par là. Il vaut mieux prévenir le capitaine. Oui. Vous voulez goûter à ce gâteau? Attention, ça va tomber. Ah non. Non. Non, non. Attention, vite. Vite, il va tomber. Oh. Un, deux et trois. Oh, les pauvres! Drôle d'endroit pour passer leur lune de miel. Salut Albert! Salut Glouton! Hé, Glouton! Où es-tu? Hé! Glouton! Où es-tu, Glouton? Vite, entrons chez le pâtissier. On arrive trop tard. Glouton. 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 Tiens, voilà un bon gâteau. Qu'est-ce que tu veux faire de ça? Un piège pour Glouton. Un piège? Je t'expliquerai, viens. Partons. Chouette alors. Chargez! En avant! Laissez-moi! Qu'est-ce qu'on n'a pas eu? Rien à faire, vous pouvez pas m'attraper! Coucou, je suis là! Allons-y! Allez, 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 sautons! Ça y est, je l'ai, je viens! Vous venez! Vite, sautez par là! Je suis en même temps, je suis invisible, invisible! Attrapez-le! Allez, vous m'aurez pas! Allez, partons, on va tenter de le trouver! Vous êtes pas fort, les gars! Oh, il y a ce côté-là! Mais je suis invisible, je ne suis pas fort! Tu prends des tonneaux par ici! Pour arriver à l'attraper. Mais comment veux-tu qu'on y arrive puisqu'on ne le voit pas? Oui, mais il est moins vif que nous. Allez, chargez! Je peux plus faire un seul pas. Oh mon Dieu. Vous êtes exaspéré? Épuisé. Mais c'est bien ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'on va faire?
Je suppose que le gouvernement va déclarer l'état d'urgence immédiat. Oh, c'est pas vrai. Hé, les copains, je suis là, mais je suis invisible. Elle est plus invisible? Vous m'aurez pas. Allez, essayez de m'attraper. Mais si, hein. Chut, chut. Je n'aurais jamais cru qu'il pourrait rester invisible si longtemps, n'est-ce pas, prof? Oui, moi aussi, je suis étonnée. Oh, personne ne peut savoir où il est, on le voit pas. On le voit pas, hein, Tigrette? Vous ne m'attraperez pas. Qui te dit qu'on veut t'attraper, Glouton? Ah, non, on voudrait juste s'amuser un peu, nous aussi. Mm-hmm. Oui, et après tout, c'est quand même prof qui a fait la découverte. C'est normal qu'on en profite tous. Moi aussi, hein. Hé, hey, j'ai une bonne idée. Si on allait tous au magasin de jouets et pendant que Glouton les ferait tourner en bourrique, on rigolerait bien. Tu te nerres, hein, Glouton? Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, attends, allez, suivez-moi. Mais Glouton, voyons, on peut pas te suivre puisqu'on ne sait pas où tu te trouves. Oh oui, c'est vrai. Hé, hey, mais je suis près de toi. Ah oui. Allez, venez, suivez-nous. Mais je suis invisible. Il est invisible. Oh, mais c'était une farce. Non, mais oui, voyons, c'était une farce. Allez, sois gentil, penche-toi en avant. À vous l'honneur. Merci, monsieur. Avec plaisir. Merci. C'est bien notre tour, maintenant. Un, deux, trois. Oh non, non, laissez-moi. Glouton, Glouton, réveille-toi, tu rêves. Je le remets. C'est vrai? J'étais pas invisible? Invisible? Qu'est-ce qu'il raconte? Oh, mais cette confiture n'était pas magique? Magique? Non, c'est de la vraie confiture. De la vraie? Oh ben, je la mange, faut pas gâcher de la nourriture.